Voilà, t'as des moments comme ça. Les semis l'année dernière, bah, il y a eu des hauts et des bas. Bah là, clairement, je vais au semi pour décrocher ma place au CrossFit Games. Alors moi, c'est Claudia Gluck, j'ai 25 ans, je suis athlète de CrossFit. C'est quoi tes routines du matin en fait? Tu manges quoi? Qu'est-ce que je mange? Globalement la même chose, un wrap avec du fromage à tartiner, une tranche de jambon et des œufs qui sont en train de cramer. Du café, un verre de jus de fruits. Voilà, ça c'est pour moi le matin. Créatine à sec, bam. Ouais, j'allais te demander justement ce que tu prends. Créatine, oméga 3, multivitamines, et c'est parti. J'ai démarré le CrossFit toute fin 2016. C'est une drôle d'histoire, mais j'étais allée aux États-Unis voir une amie. Elle faisait de la boxe. En rentrant, je me suis dit, allez, je vais faire de la boxe comme elle. J'ai fait de la gymnastique rythmique avant ça. Je savais que j'allais devoir arrêter pour mes études. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais trouver un coach. La première fois que j'ai vu Claudia, c'était en 2016. Je venais d'ouvrir CrossFit Grilen avec Isa. Et elle a simplement ouvert les portes de la boxe. Et elle s'est présentée. Voilà, je m'appelle Claudia. J'ai déjà fait un petit peu de CrossFit. Et je fais mes études à côté. Et j'aimerais m'inscrire chez vous. C'est quoi? T'as déjà vu avec Guigui. C'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir vivre du CrossFit. J'ai plusieurs sponsors qui me le permettent. Principalement, ça va être Puma. Du coup, sur tout ce qui est équipement, vêtements, chaussures, etc. J'ai également ma programmation, donc Millionaire Training, qui me soutient, Strivey aussi. Et j'ai aussi Pixil, qui est tout ce qui est équipement, manique, genouillère, etc. T'es bien là sur ton tapis. T'as vu, hein? Qu'est-ce qui se passe là du coup? On va faire du yoga. 15-20 minutes. Okay. C'est parti. Du coup là je vais démarrer ma première session. Ça commence avec un entraînement respiratoire. Ok. Donc voilà, c'est mon coach d'ergo Sean qui okay. programme ça. Et ça c'est un outil du coup avec lequel on fait simplement un entraînement respiratoire. Ah, trop bien, ok. Mon palmarès jusqu'à présent, le plus récent c'est Dubaï. L'année dernière, j'ai fini 3e du coup au Dubaï. J'étais au semi les 3 dernières années. Ça va faire ma 4e année cette année à Lyon. Donc du coup là on est dans ton salon, c'est ça? Exactement. Et où est la télé? C'est le bureau en fait. C'est le bureau? The office, ma pièce où je fais beaucoup de machines du coup. Ok. Rameur, vélo, ski comme vous. Plus quelques... Bon j'imagine que tu fais pas du snatch ici. Non, mais t'as quand même un peu de matos. C'est l'investissement du confinement. Ça arrive que je fasse un peu de renfort, du street press. Ouais, ok. Ça. Mais c'est vraiment plus stockage pour le moment quand on aura une grande maison avec un grand home gym. Ben voilà. Voilà, c'est parti. C'est parti. Eh ben bonne séance. Merci.
Alors, mon objectif cette année, c'est d'aller au CrossFit Games, mais c'est pas juste d'aller au CrossFit Games. Pour moi, c'est vraiment d'affirmer ma place, de prouver que j'ai ma place parmi les meilleurs athlètes au monde. Je pense que de gagner les Games, c'est un objectif à plus long terme. Bien sûr que c'est dans le coin de ma tête, et je pense que si c'est pas dans ta tête, c'est pas qu'il y a un souci, mais c'est forcément quelque chose qui te pousse à être meilleur tous les jours. Je pense que c'est vraiment plutôt un objectif à long terme, mais après, bien sûr que l'un de mes rêves, c'est de gagner les CrossFit Games. Et les ambitions de Claudia, du coup, ce sont clairement les Games. Ça fait plusieurs années, je pense qu'elle y pense, mais ça fait vraiment depuis les semis à Berlin l'année dernière que c'est un objectif qu'elle affirme haut et fort, et elle y croit, et je pense que beaucoup de monde autour d'elle y croit, et du coup c'est une belle dynamique vers l'avant, quoi, qui fait avancer tout le monde. Les semis en France, c'est une super nouvelle. Principalement, j'ai tout de suite pensé à mes proches. Ils étaient déjà venus à Berlin l'année dernière, au Lolland. Quand ils peuvent, ils me suivent, mais là c'est encore plus incroyable. Ils ont loué un minibus, il y a carrément mes grands-parents qui vont venir, enfin vraiment toute la famille. Je pense aussi à tous nos potes à Grillen, ils ont créé déjà un fan club d'ultra, enfin ça va être super. Toute la communauté française forcément, CrossFit Genas aussi avec qui on s'entend très bien. Ils étaient déjà dingues à Lyon, à Berlin l'année dernière, ils nous ont fait le bordel, donc là j'imagine même pas à Lyon. C'est une super nouvelle pour nous athlètes, pour la communauté du CrossFit français, enfin vraiment une super nouvelle. Avant le repas, Top Chef avec Claudia Duc. Ouais, Luc Millier vient manger tous les jours chez moi. Fait une heure de route. Voilà. Fait une heure de route pour venir manger. Et après, il rentre. Tellement c'est quali. Je sais pas si c'est quali parce qu'il amène ses lasagnes. Au début, il les ramenait pas. Donc je sais pas s'il vient pour la nourriture. T'as pas la tête de connard, si j'emmène mes types. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a de la place pour la viande, Claude? Ouais. Faut juste ramener le souplat. On va croire que je fais trop attention à la viande, tout ça. Jusqu'au soir, que je suis pas. En plus, je t'ai dit que je te cuisinais. Ouais, je sais. Let's go. Voilà. Pour mon côté entraînement, j'ai Luc Millier de Mjolnir Programming qui me programme principalement tout ce qui est CrossFit. En fait, c'est assez collaboratif. On a fait appel il y a maintenant 2 ans, 3 ans peut-être, à Sean de Upside Strength qui me programme toute la partie ergo. Récemment, après, je dirais l'année dernière, on a fait appel à Max, qui est un pote à Sean de OnTrack, qui est le gourou de la course à pied. Donc lui, il nous aide vraiment sur la partie spé course à pied. Et puis, j'ai Basile également qui m'aide sur la partie... j'aime bien l'appeler la partie mouvement parce que, c'est pas juste de la préhab ou des échauffements. C'est vraiment, si je vois quelque chose à bosser, que ce soit côté mobilité, côté skill, du coup, on va faire des échauffements spécifiques. C'est lui qui chapeaute tout ça. Pour moi, coacher Claudia, c'est pas tellement différent de coacher quelqu'un d'autre. C'est une athlète qui est quand même très coachable, qui est toujours à l'écoute, qui prend toujours des conseils de peu importe de qui ils viennent. Donc j'ai pas l'impression que ça fasse de différence, en tout cas pour moi. C'est sûr qu'on parle forcément beaucoup de CrossFit dans la vie de tous les jours, mais on va pas non plus segmenter notre temps en disant maintenant on parle pas de CrossFit, ou enfin on en parle un petit peu au quotidien et ça se passe bien comme ça, pas de soucis. Just follow the leader, come follow the leader. You gotta be accountable for your own decisions. Un côté mindset, c'est vrai que c'est tout un travail. Que ce soit dans le CrossFit ou dans la vie en général, c'est vrai que c'est quand même un côté qui m'a toujours attiré. Essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête, comment tu peux contrôler tes pensées, tes émotions, même si les émotions, à part les identifier et apprendre à surfer sur tes émotions, tu peux pas vraiment les contrôler. C'est quelque chose d'assez fort, et je pense que c'est quelque chose de bien. Si tu demandes un peu les proches autour de moi, c'est vrai que j'ai une nature assez optimiste. Je vois toujours plutôt le positif, même si j'ai des moments de plus dur
Et ça, enfin, chaque être humain, on n'est pas des oufs, quoi. Mais c'est vrai que j'arrive à trouver, même dans les moments très difficiles, le positif qui va me faire évoluer dans la vie en général. Les moments un peu plus difficiles, ouais, c'est parfois, ben, si on veut parler un petit peu de sacrifice, c'est plus, ben, j'ai certains dîners de famille où j'y vais pas parce que c'est proche d'une compétition. J'ai certains, voilà, événements où je dois dire non, mais voilà, c'est des choses que t'apprends à faire avec le temps. Et au final, la vie est courte, mais en même temps assez longue. Si tu loupes un repas d'anniversaire une fois de temps en temps, c'est pas si grave. Et encore une fois, je le vis pas du tout comme un sacrifice, mais plus comme un investissement. Envers mes objectifs et envers moi que comme un sacrifice. Elle a énormément de qualités, elle a, même étant petite, très, ouais, elle a un super mental, elle en veut, elle bosse, elle est toujours super organisée. Et ça même, c'était à l'école, c'était nickel. Toujours aller de l'avant. Ouais. Toujours aller de l'avant, ouais. toujours. Elle tombe, elle repart. Elle retombe, elle va plus haut, elle va plus loin. Ouais. C'est comme ça, elle. C'est incroyable, quoi. Claudia, ouais, elle est très forte mentalement. Je dirais que c'est un énorme point fort, et peut-être un qu'on néglige le plus souvent. Et je dirais aussi que c'est un point qu'elle a énormément travaillé depuis plus d'un an maintenant avec son préparateur mental qui s'appelle Mario. Et moi, sur l'année qui s'est écoulée, si je devais parler d'un point qu'elle a énormément amélioré, plus que le fitness, je dirais que c'est... le côté mental. C'est quelqu'un qui se met 100% dans l'effort, ça c'est pas toujours évident. À ce niveau-là, il faut être capable de se dire je vais me donner à 100% dans ce workout pour être le plus performant possible. Et en même temps, c'est quelqu'un de très réfléchi. Time left on the clock. When it's your time, give them something to watch. I picked out the locks till I buy up the block. And I know I'm a gift, but I didn't got the box. And they want me to stop. I am unstoppable. Hold up, why would I stop? Why would I stop? Chill, chill. I don't jump, I dive in it. C'est bien, c'est bien. On apprend. Stratégie. Antidote, this the cure, cancer flow, stop a pandemic and the globe, the product of OA chopping up the sample flow, dealing Pimp C the triller, this might go two trip for triller though, I see you critical, I'm the hospitable, favorite rappers, I done cut they umbilicals, Red Wings jersey, B.I.G. look like pop, the black of the berry, what they want, see it ride, I'm going down as one of the guys, G-O-D-D-O-A dead or alive, I'm laying low, they could be espionage, this ain't no walk in the park, you can't slide, solution to everyone else around me, problems next episode, got the whole fucking world watching, I might lead a series, come back like I'm robbing. Get it now, right now, my only two options. So why would I stop? I am unstoppable. Hold up, why would I stop? This is unstoppable. Chill, chill. I don't jump, I dive in it. Hold up. This the reason I'm alive. The DJ gon' drop this, we made it from scratch. I'm minding my business and all of it's black. My dog on the same way, the motors attack. I don't complain about life, I adapt. I'm at a point if I fuck with a love. It's not just a thing, it's a scam. Okay. I can't be on that sound. 80 ans. 100 kills, let's go. In the hills, ain't no hills in the D, so we all in the field. Running shit 5K, 3K, Andre. Hero in my hood when they dress like me, that's cosplay. Give a threat, I'm a threat, living out the driveway. I never listen to what the eyes say. Why when the universe responds to what I say? Left stroke just went viral. Right stroke put lil' baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's
levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. That nigga thinking that he frontin' on that man. Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired. Qu'est-ce que tu penses de sa session de training là? Super, ouais. Franchement, c'est bien, celui-là on voit vraiment que c'est juste avant la compète quoi. Ouais. On fait un speed ladder, on fait la gym avec du skill et de l'intensité. Ouais, c'est chouette. Bon, les épaules sont solides, sur la gym ça va, ouais. Ça bosse bien. C'est un point fort, mais voilà, autant le garder et bien le bosser pour aller chercher des top scores là-dessus. Si on parle des points forts de Claudia, elle risque de nous taper sur les doigts parce qu'elle aime pas trop ça. Je dirais qu'initialement elle est quand même très douée depuis le début sur tous les mouvements au poids de corps en gymnastique. En haltéro, je pense qu'elle est aussi très douée de par le côté coordination et la puissance qu'elle peut développer. C'est vrai que j'ai, surtout cette année, on a beaucoup travaillé dans la saison off. J'ai pas fait beaucoup de compétitions pour vraiment lisser mon niveau et essayer d'avoir... alors oui, la gymnastique sera toujours excellente et même si on ne travaille pas beaucoup, ça reste très très bien, mais que ce soit sur la force, sur la course à pied, sur les machines, enfin vraiment sur le crossfit en général, on a essayé vraiment de lisser mon niveau pour ne plus avoir de, comme beaucoup l'appellent, points faibles ou des points d'amélioration quoi. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de réaliser ses plus grands rêves, donc d'aller au CrossFit Games. Et je pense que Claudia le sait aussi, mais tout le chemin qu'elle fait pour y parvenir, c'est aussi important pour elle. Donc la rencontre avec plein de personnes différentes, je pense que voilà, ça fait partie du truc et je sais que c'est important pour elle. Donc qu'elle n'ait pas de regrets, qu'elle donne tout ce qu'elle peut pour réaliser ça. Ce que je souhaite à Claudia, évidemment, c'est de réussir à... réussir ce rêve d'aller aux Games et pas le réussir qu'une seule fois, le réussir plusieurs fois. Je pense que ça serait bien sûr formidable pour elle, formidable pour tous ceux comme moi qui l'entourent et qui participent en quelque sorte à ce projet, parce que c'est un projet bien sûr personnel, mais on se rend vite compte que finalement il y a toute une dynamique autour avec plein de personnes qui participent. Et puis je pense même pour le CrossFit en France d'avoir une athlète féminine. Après Kako, par exemple, qui y était, mais ça fait quelques temps maintenant. Moi, je pense que ce serait super pour tous les crossfitters français, et en particulier les femmes, quoi. C'est de voir que c'est possible et c'est atteignable. Je pense que ce serait chouette. Ce serait très, très chouette. Un dernier mot. Voilà. Bah, on t'aime, on est fiers de toi. Et j'ai acheté la valise pour aller aux US. Donc, il faut qu'on aille aux US. Voilà. Hop, hop, hop. All is full, guys. All is full.